Oh, et s'il nous plaque? Qui ça, Joséphine? Comment qui ça? Pas les garçons, François et Guillaume? Et pourquoi ils nous plaqueraient? Pour une de leurs admiratrices. Oh, Joséphine, ne me fais pas rire, je veux dormir. Non, je suis sérieuse, écoute-moi. C'est important. Alexia, ils sont mignons, ces garçons. Oui, François est le plus mignon qui soit. Oui, Guillaume aussi est mignon, presque trop. Même que je finis par me demander pourquoi il est avec moi. Ben parce que t'es jolie toi aussi. Merci, de rien. Mais tu me le dis parce que tu me connais. Il y a plein de filles 100 fois plus jolies que moi. Moi je suis comme une fille comme on en rencontre à n'importe quel coin de rue. Il y a des filles plus jolies et des blondes avec des yeux clairs. Et maintenant elles vont essayer de draguer Guillaume et tous les autres garçons du groupe. Ils sont non seulement mignons, mais quand ils chantent et ils dansent, c'est de la folie. Oui, t'imagines que ça va être ça à partir de maintenant. Leurs concerts vont être de plus en plus pleins et ils vont être de plus en plus connus. Et les filles qui viendront les voir en concert seront toutes super jolies, blondes avec les yeux clairs. T'as un problème avec les blondes? Seulement avec les fausses. Et toutes ces filles vont les adorer. Elles vont tout faire pour sortir avec Guillaume, avec les garçons du groupe, avec mon copain, ton copain, avec mon Guillaume. Tu veux un conseil? Commence par rester zen et calme un peu ta jalousie et ton manque de confiance en toi. C'est à moi que tu parles de confiance. Je te rappelle que je suis la personne la moins sûre d'elle au monde. Non mais regarde avec François, pourquoi je serais jalouse, hein? Pourquoi je douterais de François, Joséphine? Tout ce que je souhaite, c'est qu'il fasse le triomphe de tous les temps, que le monde soit fou d'eux. Et ça te fait pas un peu peur? Non, Joséphine, non. Parce que François m'aime. C'est mon copain, il ne m'aimera ni plus ni moins parce que les filles lui sautent au cou en lui demandant des autographes. Et tu penseras comme moi, je t'assure. Bon, je vais essayer. D'accord, mais je te promets rien. Bon, allez, on dort. Toi, dors si tu peux. Moi, je vais essayer. Et enlève mes pantoufles, là. Ouais. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu veux? J'avais soif. Bien. Hello? Hello quoi? Un verre d'eau, c'est trop te demander à ce que je vois. Non. Mais tu as des mains, alors vas-y, certain. T'es vraiment un pauvre type, quel goujat, j'y crois pas. J'imaginais que tu étais un homme un peu plus galant que ça. Ah oui, je suis très galant avec les femmes, moi. Pas avec les gamines capricieuses et mal élevées. Allô, oui? Tu me manques. Tu me manques aussi. J'en peux plus. Je n'arrête pas de penser à toi, Carmen. Moi aussi, je pense à toi. Je t'aime. Moi aussi. Comment ça va? J'ai pris un petit café serré. Bien fort et je suis comme neuve. J'ai fait beaucoup de bêtises. Non, 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 non. Non, tu n'as fait aucune bêtise. Eh bien, parfait, alors tu me rassures. Tu veux dormir? Je raccroche si tu veux dormir. Non, 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 ne raccroche pas. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et de quoi tu veux que je parle? Eh bien, parlons de toi et de moi. Bien, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alexandre, il est déjà 7 heures. Ne me dis pas que tu as sommeil pour que je raccroche. Non, je pourrais discuter avec toi pendant des heures, mais c'est l'heure du réveil pour Patricia. Je t'embrasse très fort. Ciao, mon amour. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Mon canard, mon amour, mon trésor, Patricia. Patricia. Allez, c'est l'heure de se lever. Ça va? T'as bien dormi? Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Ça va? Tu veux quoi au petit déjeuner?
Des tartines. Bon, d'accord. Je vais acheter du pain. Ouais. Bonjour, mon amour. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, tu en penses quoi? Qu'il t'arrive quelque chose, d'où ma question. J'ai lu la lettre, Émilie. Comment ça, tu l'as lu? Mais quand? Cette nuit, j'ai lu la lettre. Je suis entré dans ta chambre, un bouquet de fleurs à la main. Je voulais passer une nuit romantique. Mais tu t'étais assoupi et quand je me suis approché pour te réveiller, j'ai vu cette lettre. Je comprends pas. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais la possibilité de partir? Parce que je pensais pas y aller, c'est pour ça. Pour moi, partir, me perfectionner aux États-Unis, c'est le rêve de toute ma vie. Mais si ça implique de me séparer de toi, de ne plus te voir, je ne pars pas, alors je renonce à tout. C'est la vérité, ce que je te dis là, tu sais. Je suis très flatté de t'entendre dire ça. Et pour moi, c'est très difficile. Pour moi aussi, tu sais. Mais j'ai l'impression que tu ne dois pas perdre cette opportunité. Il faut que tu y ailles. Non, je viens juste de me lever et Nicolas était déjà parti. Oui, c'est ça. Dis au garçon que je pourrais pas aller à la réunion. D'accord. Ok, on en parle plus tard. Bonjour, mon amour. Salut. Comment va? Bien. Je me demandais si t'avais pas envie de venir déjeuner avec moi juste avant le cours de comédie, ça te dit? Non, je peux pas aller déjeuner. Et puis, je n'irai pas non plus au cours. Pourquoi? Tu te sens mal? Non, non, c'est juste que... C'est que il faut que je parle à ma mère de cette histoire avec mon père. C'est sérieux? Oui, hier soir, en revenant du concert...